présent les épreuves de week-end avec nouvelle accélération et nouvelle assistance à prendre en compte. Dès à présent, les quatre premières tours, porte du peloton retrouvait Xavier Louet, bien aux jambes également, depuis le début de saison de Marseille. Michel Rouet s'imposait sur l'organisation du critérium de Saint-Renon et que Mathias était à la troisième place. Ambition qui est 51 secondes avec vos applaudissements, madame, monsieur, pour la contre-attaque ce soir avec Roger Floch, avec Christophe Tirilli, avec Franck Kelly, avec Philippe Aglevert et Caroane Brondel aux côtés que ce soir de nouveau. D'Arnaud Gambard, on retrouve derrière les belles dispositions de Frédéric Boileau et de Cézy Le Four, dernier tour également, et l'ensemble du peloton avec Mathieu Bertin qui nous rejoint à son tour avec 2.30 de Nemours, c'est le dernier écart communiqué. Actuellement retrouvé également que ce soit pour l'entame du dernier tour, Tito Embryon qui nous rejoignait à son tour, c'est parti pour... La dernière décision, c'est parti de très très loin avec, en pole position avec Michel Rouet, également ce soir, et nouveau Michel qui s'impose, deuxième victoire du week-end avec Léo Danès, deuxième Éric Landuré, troisième, quatrième François Mollet, cinquième, on retrouvait Erwan Arzel, sixième Arnaud Lec, le dixième qui nous rejoint actuellement avec Arnaud Guillaumard, onzième, dixième Arnaud Guillaumard, onzième donc de l'épreuve Philippe Aglevert,
À la 12e place, on retrouvait Jean-Marc Rouet, donc qui était 12e de l'épreuve. On va toujours rester très très attentif, puisqu'on termine Erwan Bondal, Frédéric Boileau. On peut les applaudir les uns les autres. Merci pour eux, que ce soit avec Frédéric Boileau, Cézy Le Fournin et le peloton. Sprint du peloton qui sera réglé par David Rioux devant le sociétaire.